Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, review film. Et on va parler d'un film qui a laissé son empreinte dans les années 90. Un film, pour moi, culte. Et on va parler du film Trainspotting, sorti en 1996 et réalisé par Danny Boyle. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai choisi ce film spécialement. Car déjà, ce film fait partie de la culture cinématographique des années 90. Et aussi car une suite sort au mois de mars, très 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 bientôt. Et les fans l'attendent avec impatience depuis près de 20 ans. Environ. Moi aussi j'attends cette suite avec impatience. J'ai vraiment hâte de voir la suite de ce film. Surtout que les acteurs qui ont participé au premier sont présents dans cette suite. Donc je pense que ça va être du lourd, du très lourd. Enfin j'espère. Parlons un peu du réalisateur Danny Boyle, qui est quand même un réalisateur de talent. Il est à l'origine de pas mal de bons films, dans divers styles en plus. Il a fait des films vraiment sympas comme Petit Meurtre entre amis, celui-là est excellent, je vous le conseille. La plage avec Leonardo DiCaprio, qui est vraiment bon aussi. 28 jours plus tard, un film énorme niveau horreur. Il a quand même fait Slumdog Millionaire, pour ceux qui connaissent, ou encore 127 heures. Donc la plupart de ses films sont de très bons films, faut au moins les avoir vus une fois dans sa vie. Alors niveau acteur dans ce film, nous avons le célèbre Ewan McGregor, qui est un acteur très très bon je trouve. Il a joué dans de nombreux films hyper connus, comme Star Wars l'épisode 1, 2 et 3, la prélogie, ou encore Moulin Rouge, ou le superbe La Chute du Faucon Noir, ou encore The Iceland. Et il en a fait encore plein d'autres, hein. Je ne citerai pas tous, mais c'est impressionnant. Il y a aussi Ewan Bremmer, qui a joué dans un film aussi assez connu, hein, comme par exemple Snatch, Pearl Harbor, ou encore Snowpiercer. Nous avons aussi Johnny Lee Miller, qui a joué dans des films comme Guns 1748, Melinda et Melinda, ou encore Dark Shadow. Mais sa carrière a vraiment explosé quand il a joué le rôle de Sherlock dans la série Elementary, pour ceux qui connaissent. Nous avons aussi Robert Carlyle, qui a joué dans des films quand même assez connus comme The Full Monty, ou encore Vorace. Il y a aussi Kelly MacDonald, qui a joué dans des films comme H2G2, le guide du voyageur, qui est assez sympa. No Country for the Old Men, qui est vraiment très bon aussi, je vous le conseille. Elle a aussi joué dans la série Boardwalk Empire, que je vous conseille fortement, cette série est juste énorme. Si vous l'avez jamais faite, sur la prohibition de l'alcool dans les années 30, avec des guérillas de gangsters, cette série vaut vraiment 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 le détour. Nous avons aussi Kelly MacKing, qui a joué dans des films comme Dog Soldier, Hannibal Lecter. Il a aussi été très connu dans la série Grey's Anatomy. Avant de vous parler de l'histoire de ce film, je vais vous mettre la petite bande-annonce de l'époque. Regardez. Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a big television. You're a quiet, sensitive type. A little bit crazy, a little bit bad. Baby, don't us girls just love that. Hey. Choose washing machines, cars. Choose DIY and wondering who the f*** you are on a Sunday morning. Mr. Murphy, you lied on your application. Oh, yeah. Oh, yes. Yeah. Only to get my foot in the door. What exactly attracts you to the leisure industry? I know what? Pleasure. Like, my pleasure and other people's pleasure. Choose fixed interest mortgage repayments. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three-piece suite on hire purchase and a range of f***ing fabrics. Well, he's always been lacking in moral fibre. He knows a lot about Sean Connery. Do you see the beast? Have you got it in your sight? Clear enough, Mitch Moneypenny. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing junk food into your mouth. Come on! Yeah, the guy's a psycho. He's a mate and also. What can you do? Shopping. Choose your friends. Choose your future. Choose life. What are you waiting for? This is not natural, man. It's a great outdoors. Alors parlons un peu de l'histoire de ce film. Ce film n'a pas une histoire extraordinaire. Le scénario est très simple, il parle d'un groupe de potes dans le monde de la drogue. Et surtout de Mark Renton, alias Ewan McGregor. Un junkie qui va tenter de sortir de ce monde pour avoir une vie dite normale. C'est-à-dire qu'il essaie de trouver un emploi, essayer de construire quelque chose avec une femme et avoir des enfants. Et se détacher complètement du monde de la drogue. Donc comme je viens de le dire, le scénario n'est pas l'atout de ce film. Le vrai atout de ce film, ce sont les personnages. Les personnages charismatiques de ce film. Et surtout tout ce qui est autour de ces personnages, c'est-à-dire les gars qui leur arrivent, les aventures qui leur arrivent, qu'elles soient drôles ou tristes, chaque aventure est énorme. Donc comme je disais, nous avons notre héros Mark Renton, dit Renboy, alias Ewan McGregor, comme je disais, qui essaie de s'en sortir et de reprendre une vie normale. Je pense que ce personnage est le seul à se dire « cette vie ne peut plus durer ».
car tous les autres qui sont autour, eux, ils se laissent vivre. On a Ewen Bremmer dans le rôle de Daniel Murphy, dit Spud. C'est le gars qui se laisse vivre et qui suit les autres, pas trop de personnalité, un gars gentil et sans histoire, mais un junkie aussi. Donc comme je disais, nous avons Johnny Lee Miller aussi qui joue le rôle de David Williamson, dit Stick Boy, qui est un peu le chef de la bande. Il a des théories sur la vie un peu spéciales. C'est un junkie aussi, mais il est le plus sociabilité des junkies. C'est-à-dire que c'est celui qui peut décrocher facilement de la drogue, qui s'en sort facilement dans le monde du travail et dans le monde dit normal. Nous avons aussi Kevin McKidd dans le rôle de Tommy McKenzie. C'est le seul gars qui a une vie normale, vraiment normale. C'est-à-dire qu'il a un travail, il a une copine et une vie sociale. Et qu'il ne prend aucune drogue. Alors là, on se demande, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ben en fait, c'est qu'ils se connaissaient quand ils étaient petits. Les autres ont dérapé complètement et lui est resté entre guillemets dans le droit chemin. Nous avons Kelly McDonald dans le rôle de Diane, une fille excentrique qui est un peu barrée d'ailleurs. Mais elle ne se drogue pas. Enfin, pas de drogue dure, hein. Elle fume un peu de beuh et ainsi de suite. Et pour finir, dans les acteurs principaux, nous avons Robert Carlyle dans le rôle de Francis Begbie, dit Franco. Ce personnage est mon préféré. Il est complètement déjanté, complètement psychopathe. Et lui, sa drogue, c'est l'alcool. Il est alcoolique. Il ne consomme aucune drogue dure. Sa vraie drogue à lui, si on regarde le film, c'est la baston. Il adore se battre et provoquer les autres. Il est complètement cinglé. Tout prétexte est bon à se battre à la baston. Plus il y a de baston, plus son adrénaline monte. Donc, la baston et sa drogue. Et donc, cette petite bande essaye de s'en sortir en faisant des vols et des magouilles. Alors, mon avis sur ce film des années 90, Trainspotting. Comme vous avez dû vous en douter, j'adore ce film. Il est vraiment très très bon. Je trouve que dans les années 90, il a apporté une vraie fraîcheur au monde du cinéma. Aussi bien par son ambiance, sa façon d'aborder les thèmes de la drogue. Et aussi une bande-son de ouf. Il y a de très bons morceaux. La BO est vraiment superbe. Rien que ceux qui ont vu le film, l'intro du film, pour ceux qui s'en rappellent, elle est juste énorme avec la musique derrière, les personnages. On a des scènes what the fuck qui apportent un sacré touche au film, des scènes où le gars est complètement drogué, il hallucine sur plein de trucs. Bon après, il y a des scènes qui peuvent choquer, hein. Il y a une scène sans vraiment spoiler, où il y a un bébé qui a la tête qui tourne, ça c'était un peu chaud déjà, pour l'époque. Enfin, les scènes sont vraiment perchées. On se demande même si le réalisateur a pas pris de la drogue pour réaliser ces scènes. Après, il faut bien comprendre que le film n'est pas une comédie en soi. Il n'est pas très joyeux et franchement, après avoir vu ce film, enfin pour ma part en tout cas, un peu comme le film Requiem for a Dream pour ceux qui connaissent, qui est un très bon film que je vous conseille aussi, et ben on a plus envie de prendre de la drogue. Hein. Quand j'avais vu ce film déjà, la drogue ça n'avait pas trop branché, j'avais vu après Requiem for a Dream, la drogue c'est mal, vous voyez, enfin vous voyez le truc, non, c'est mort. Et pour moi, Danny Boyle signifie un de ses meilleurs films. Et donc j'espère que cette vidéo vous a donné envie de vous droguer, non je déconne, vous a donné envie de voir ce film, et pourquoi pas d'aller voir la suite. Car peut-être que ceux qui l'avaient oublié se disent « Oh mais oui, il était énorme ce film, oh il y a une suite qui sort, bah tiens, je vais aller la voir !» Ou pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, de le découvrir, et peut-être aussi d'aller voir cette suite. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye !